Ma vie n'est absolument pas parfaite, elle est totalement normale. Et après, vous êtes trop bien. Appréciez tout ce que vous faites, même les choses simples. Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé et c'est un plaisir pour moi de retrouver mon joujou préféré, à savoir ma caméra. Donc je vous retrouve dans une période, ma foi, plutôt iconique. Bon, de toute façon on est habitué maintenant. C'est parti pour le confinement numéro 2. Mais c'est une nouvelle expérience pour moi parce que contrairement à la premier confinement, je vais pas rester chez ma mère à la campagne, il fait beau, nanana. Mais on est au mois d'octobre, il pleut tous les jours, il fait nuit à 17h et je suis dans un appartement. Je ne suis pas toute seule, je suis avec ma soeur, mais voilà, c'est un peu une expérience de vie. On se retrouve toutes les deux enfermées dans un appartement pour au moins 4 semaines. Yes, même si on sait tous que ça va durer plus longtemps. En tout cas, on voit ce confinement d'une manière plutôt positive parce que voilà, on va avoir plus de temps pour faire des choses qu'on n'a pas forcément et qu'on prend pas forcément le temps de faire habituellement, même si il y a les cours. Je suis étudiante, donc je suis à l'université, donc tous mes cours sont 100% à distance. Donc voilà, je vais passer ma vie dans cet espace, dans cet endroit, devant mon ordinateur. Donc c'est ce qui s'est passé ce matin. Ce matin c'était la rentrée et franchement c'était trop relou. Après je suis déjà habituée parce que toute la première période il y avait quand même 50% de cours à distance et tout. Ça m'avait pas manqué de rester là pendant 4h30 devant un ordi. Tant 4h30, oh la vache. Je vous embarque avec moi pendant toute ma première semaine de re-confinement, you know. Je vous embarque également pour vous inspirer et pour vous motiver aussi à faire des choses dans votre journée, à pas vous lamenter. Après je sais que je suis suivie par pas mal de lycéens, collégiens ou quoi, donc vous allez en cours, en soi ça va. Voilà, si vous avez envie de vous occuper le week-end ou quoi, à vous motiver notamment à faire du sport ou ce genre de choses, comme d'habitude, vous connaissez ce que je vous partage habituellement, bah ça va pas changer. On est reparti pour un nouveau confinement avec une nouvelle mentalité, encore plus de productivité, enfin bref, vous connaissez la chanson. Bref, voilà, donc c'est ce qui va se passer cette première semaine. Je vais essayer de me rebooster parce que là, je suis dans un mood de abrutissement total, je ne sais même plus qui je suis. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que mes cheveux, ils ont glow? Enfin je veux dire ils ont gavé poussé. Alors qui ça peut être ça? Je déteste décrocher aux inconnus. Ça me stresse. Ça se trouve c'est un truc important en plus. Ça se trouve c'est mes colis. Ce matin du coup on a commencé à 8h. Marie est venue pour les cours à distance avec son masque et tout. Donc forcément là on respecte pas le confinement à proprement parler. Mais je veux dire c'est vraiment pour les cours. C'est comme si on allait au lycée en soi. Elle a son masque, on se fait pas de bisous et tout. Enfin bon bref, vous connaissez la rengaine. On n'a pas besoin de se justifier. Nous avons une pause. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Es-tu prête pour aller en anglais, Julia? Non, ça me saoule l'anglais. Alors. On est trop bien habillée, Marie. Petit haut qui vient de chez Sixth June. Ensuite, je porte un nouveau jean. Très beau. Très sympatoche. Il est décoloré. Très beau. Et des petites Jordan. Mes premières, on a acheté ensemble. Ah oui, ah ouais. Good vibes. My name is Julia. Marie MT. Let's start. For example, advice. I want you to write down your homework. Bon, allez, on va manger. Bah écoutez, je pense que la personne qui m'a appelée est effectivement un facteur, vu qu'il vient de sonner à la porte. C'est un colis de chez Nice Work qui m'ont envoyé un parfum. Alors là les gars, c'est le parfum Kay Ali. Il me semble que c'est la sœur de Huda Beauty ou la cousine, je sais plus si j'ai dit des bêtises ou quoi. J'ai trop hâte de le sentir, trop contente. Bref, je vais quand même me faire à manger et il faut que je vous montre l'état de ma cuisine. Genre j'ai plus rien à manger vu qu'on était parti chez notre mère et on a toujours pas fait les courses puisqu'on est rentré hier soir. Et bref, regardez ça. Regardez mes bocaux. J'ai plus de pâtes, sachant que je mange pas de gluten. Genre j'ai littéralement plus rien à manger.
J'ai terminé de manger, il est 13h30. Là je vais aller du coup vider ma valise, ranger un peu mon dressing parce que j'arrive pas à être productive, à démarrer et tout si je sais que rien n'est rangé. Donc je vais vous montrer. Donc ça c'est ma valise qu'il faut que je vide. Et ça c'est du coup l'état de mon dressing, si on peut appeler ça un dressing finalement. Donc je vais trier un petit peu, je vais essayer d'être hyper efficace, j'ai pas envie de perdre mon temps là-dessus. Je suis trop fière de moi, j'ai tout rangé. Ce que vous voyez là-bas, c'est pas moi, c'est les affaires de ma soeur, mais c'est tout clean. C'est tout clean. Ça fait tellement du bien et j'ai réussi à rentrer toutes mes fringues là-dedans. Donc bref, bonne chose de faite pour ça. Je pense que pour ce confinement, ce qu'il y a d'important aussi pour se mettre dans une bonne vibe, c'est de ranger son environnement. Si vous êtes dans une chambre, dans un appart ou que sais-je, dans un logement en crousse ou quoi, juste essayez. Ça paraît tellement logique, mais vu que vous êtes enfermé chez vous, vivez dans un endroit au moins qui vous aimez vivre, parce que sinon ça va pas le faire. Donc moi c'est pour ça que là aujourd'hui je commence tranquillement à ranger pièce par pièce. Là je lave mes draps également, je vais faire un peu de ménage et tout pour pouvoir commencer un confinement serein, sain et tout ce que vous voulez, pour après avoir la tête tranquille. Et ça je pense que c'est primordial. Commencez pas à le faire dans 2 semaines, faites-le dès maintenant pour commencer direct dans un bon mood d'environnement, etc. Bref, vous avez capté. Hello, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où j'ai rangé mon dressing et le moment où mon lit est rempli de terre, de bruyère? Écoutez, j'ai un gros problème en ce moment, ça tombe très très mal, mais il s'avère que j'ai des bébêtes dans mon lit, des petites punaises de lit, et c'est très grave. J'essaye de les anéantir, mais si ça marche pas, je vais devoir dormir dans mon canapé clairement et foutre le matelas à la benne. On verra bien, j'espère vraiment que je vais trouver une solution, parce que c'est un peu relou, surtout en cette période où bah je suis confinée, j'ai besoin d'avoir un lit, tu vois. Je m'apprête à bosser un petit peu du coup mes cours de ce matin, la veille là. Je vais faire ça pendant 1 heure. Je vais essayer de trouver mes colis, je vous en ai parlé ce matin, mais il faut que je vois si mes colis sont toujours sur Dijon ou s'ils sont repartis chez l'expéditeur. Faut que je regarde où ils sont dans la France que je les retrouve. En attendant je vais bosser du coup prestation de veille. C'est un truc qu'on doit finir en cours demain, mais je sais très bien, je me connais, que personne n'aura fini demain en cours vu la densité du travail. Je vais faire ça, faut que je fasse des comparatifs de concurrents au niveau de marques de peinture, avec un tableau explicatif avec pas mal de critères et tout, du traitement d'information, de la recherche d'information par rapport à une concurrence, du benchmarking pour ceux qui connaissent, pour ceux qui font des études de marketing ou de com et tout. C'est très grave, je n'ai plus de café et ça c'est très grave, et c'est la raison pour laquelle je veux absolument faire mes courses aujourd'hui. Du coup j'ai bu de la Monster tout à l'heure pour me redonner un coup de jus, un Monster zéro sucre. Ouais, ça m'a bien aidé à rester énergique. On part sur un petit chrono de 30 minutes, de 1 heure plutôt, histoire de bien avancer la veille. Alors je sais que je suis complètement contre-jour. Il est 16h40, je suis en train de snacker sur des bananes, enfin une banane et du beurre d'amande. Les choses les plus simples sont les meilleures, encore une fois, je ne cesserai de le répéter. Donc je suis en train de faire ma liste de courses, je vais aller faire mes courses. Je vous avoue que j'ai hyper la flemme, mais sortir va me faire du bien, je pense, prendre l'air. J'ai bossé là pendant 1 heure, j'ai un peu avancé, mais c'est pas ouf, vraiment genre je vois pas le bout de ce truc. Ça va me faire du bien de faire des courses et vraiment genre j'ai plus rien à manger, du coup voilà. Je commence un peu à fatiguer là, mais la Monster m'aide. Je vais remplir ma petite attestation, chose que j'allais complètement oublier. C'est ultra pratique par contre de pouvoir les faire en ligne comme ça. Et après, on y va! Comme vous avez pu le voir, je viens de rentrer des courses. Je vais maintenant m'attaquer à mon montage. Je vais commencer à monter la première journée, donc ce que vous avez vu comme ça. Vous aurez la vidéo le plus vite possible, vu que je vais faire tout progressivement. Donc voilà. Mère m'appelle. Il est temps de vous laisser maintenant. Allô ? N'ayez crainte. J'ai eu envie de prendre soin de ma peau là ce matin. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de masque. Et vu qu'on est en confinement, mais qui va s'empêcher de faire une routine soin un mardi matin à 8h30?
qui va m'en empêcher? Personne, absolument personne. Je commence à 9h30 ce matin. Je me suis réveillée à 7h30 pour avoir le temps de faire un petit peu de montage ou de bosser mes cours. Et j'ai décidé de faire un peu de montage. Vu que j'ai pas mal d'heures de trou, je vais pouvoir continuer à bosser mes cours plus tard. Donc là voilà, je vais continuer à monter un petit peu la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et let's go. Ah oui, du coup j'ai dormi dans mon salon. Est-ce que je suis vraiment crédible avec mon masque? Non. Voilà ce que ça fait, les ravages du confinement sur les Instagrammeuses, les dessous d'Instagram. Mais attends, je me suis pas revenue. Gemma. Gemma Cuisto. C'est ça, non? C'est simple. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas passé une très bonne journée, mais comme j'aime le montrer dans mes vlogs, ma vie n'est absolument pas parfaite, elle est totalement normale, et les moments de down comme ça, mais voilà, je vous les montre parce que je trouve ça important. En fait, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'étais vraiment super énervée. Ma confiance en moi elle était trop nulle. Enfin, genre là, je peux pas me voir et tout. Et en plus, j'ai un. Déjà que j'étais de mauvaise humeur. Il y a un truc qui m'a vénère aussi, c'est que je suis allée chercher mes colis. Je vous en parle depuis hier. Et j'ai marché partout dans Dijon. À la poste, ils ont perdu mon premier colis. Et au point relais, qui était super loin, j'ai marché pendant 45 minutes pour atteindre le point relais. Au final, mon colis n'y était pas. Et il est reparti hier. Du coup j'étais super contente, j'étais encore plus vénère et au final c'est mon temps en pression après bah, j'étais dans un mauvais mood. Pff, mais quand t'es sur les nerfs en fait. Oui, je sais, j'ai compris. Je suis en train de gratter là, je me l'énergie qu'à toi, regarde, j'ai des boutons qui se développent là. La Cédale elle allait faire ses courses aujourd'hui et elle a fait plein de plats trop cool. Ce soir on va cuisiner là un risotto butternut feta en mode confinement vibes, on teste des recettes, on se fait plaisir. Salut la mif. Du coup quand on passe une journée de merde comme ça, le mieux c'est d'essayer de passer une bonne soirée pour que ça fasse un 50-50, ouais, tu vois. On va essayer de se regarder un film cool ou quoi et de manger un truc. Tu comptes me couper la parole comme ça? Je me disais bien qu'il y avait une couille dans le pâté. On part sur un risotto. Foiré. Tu peux enlever un peu de flotte. Ça fout le seum. Franchement, cette journée. Jusqu'au bout, hein. Aujourd'hui on a décidé de s'installer dans notre salon parce que hier on a découvert qu'on avait un câble HDMI qui pouvait aller sur mon Asus. J'ai mis ma visio sur ma télé et c'est trop bien. Comme ça je suis les cours comme si c'était un peu plus réel vu que c'est un peu plus grand. Je suis désolée si vous entendez le cours derrière mais j'arrive pas à couper le son de mon ordi. Du coup voilà, j'ai commencé à 8h, je termine à 17h, je suis beaucoup mieux qu'hier, je suis dans un meilleur mood qu'hier. Et en plus j'ai réglé mes soucis de colis là. Pendant une heure j'ai essayé de comprendre mais c'est quel colis qui va où nanana. Et voilà, donc le colis qui était perdu en fait, je l'avais déjà reçu, c'était notamment la chemise que je portais sur moi. Je vais essayer de continuer de suivre le cours et puis on se retrouve plus tard. Il est 11h passé et là on est en cours de technique d'enquête. Marie elle nous a rejoint. On fait vraiment le campement dans le salon là. On est tous devant la télé en mode on essaye de suivre le cours. J'allumais mon micro. Voir, il fait trop beau, ça fait trop plaisir. Il est midi et demi, le cours est terminé, je suis en train de me faire manger, j'ai trop faim. Du coup ce midi je vais tester des pâtes sans gluten que j'ai acheté lundi quand je suis allée faire les courses. La forme des pâtes est hyper originale en plus, donc ça change, c'est cool. En fait c'est des pâtes de pois chiches, donc elles sont ultra protéinées. De retour dans ma chambre, ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. J'en profite, là il me reste 30 minutes avant de reprendre les cours. Je vais aspirer tout ça. Enfin, je vais aspirer ma chambre quoi, concrètement. Parce que là c'est... ça va pas.
terminer les cours. Il est presque 18h maintenant. Je vais terminer de nettoyer ma chambre et après je vais faire un peu d'abdos. Comme vous avez pu le voir, niveau sport c'est un peu compliqué. J'ai pas fait de sport de la semaine et je vous avoue que j'ai énormément du mal à faire du sport ma priorité, parce que déjà j'aime pas m'entraîner chez moi. Quand vous êtes habitué à vous entraîner en salle, c'est hyper dur de reprendre les trainings à la maison. Quand je m'entraîne à la maison, généralement j'ai un jardin, j'ai des poids, là j'ai vraiment pas grand chose. Mais là ce soir je vais essayer de faire un peu d'abdos, histoire de faire quelque chose de mon corps quoi. Je viens de faire 20 minutes d'abdos, ça fait trop du bien, ça remet dans une bonne humeur, un truc de malade. Et pourtant genre c'est pas énorme, enfin 20 minutes d'abdos d'abdos si ça fait long, mais je veux dire 20 minutes de sport c'est pas énorme en soi, mais c'est déjà ça et ça fait trop du bien. Pour ceux qui me demanderaient au niveau des vidéos que je suis, quand je suis à la maison, je suis les vidéos de Stormette. Après je fais les hits des Twins Bifit sur Instagram et sur YouTube. Je suis aussi des comptes sur Instagram, notamment Inès BKNDT et bien évidemment RBT Po, ma coach, enfin mon ancienne coach du coup. J'ai un DS de WordPress, donc conception de site web. Hop. Il est 9h30, j'ai terminé mon DS, ça s'est bien passé, il y a juste deux questions où j'ai pas répondu ou alors à côté de la plaque. Là je suis en train de remplir mon bullet, vous êtes énormément demandé sur Instagram si je peux vous faire une vidéo sur mon bullet et c'est vraiment prévu, j'ai trop envie de vous en faire. Malheureusement j'ai pas pris le temps là de filmer mon mois de novembre, mais je vais vous faire une rétrospective sur mon mois de novembre et filmer tout le mois de décembre. Mais voilà, c'est un truc à mettre en place ça pendant le confinement je trouve, parce que c'est ce qui va peut-être vous aider à rythmer vos journées et avoir une bonne routine de vie on va dire pendant le confinement, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc là voilà, je remplis mon bullet du jour, je programme un peu ma journée. Là j'étais censée avoir anglais et finalement j'ai pas, donc j'ai 1h30 devant moi pour faire pas mal de choses et je pense que je vais faire du montage. J'ai reçu un colis aussi, alors je sais pas si c'est les colis que j'avais paumés un peu partout là où j'ai galéré le mardi, ou si c'est déjà le cadeau de Marie que j'ai commandé mardi aussi. Le pire dans tout ça c'est que c'est Marie qui l'a ramené, elle a croisé le facteur et du coup c'est elle qui me l'a ramené à ma porte. Marie, oh, trop cool. Je vais faire mon montage, je vous laisse, on se retrouve plus tard dans la journée. Le lit derrière, c'est totalement normal. Bref, update, il est 14h, je reprends les cours à 15h30, ce qui veut dire que j'ai un laps de temps là pour faire du sport et c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais faire 30 minutes de sport, ça va me faire le plus grand bien parce que là je vous avoue que j'ai hyper mal au crâne, je me sens embrumée. Je viens de commander un tapis pour mon salon, c'est important pour ranger toutes mes vestes dans le salon, j'ai trop hâte que ça arrive. Bref, je reviens vous parler très vite fait juste pour faire un petit point mood, enfin je veux dire, pour essayer que vous vous sentiez bien pendant ce confinement. Et là ça concerne vraiment les gens qui vont encore au boulot et tout, qui sont pas enfermés comme moi je peux l'être. Parce que je me suis rendu compte ce matin en me levant, les journées, on est jeudi, mais les journées commencent déjà à se ressembler énormément. Et ça, ça peut jouer sur le moral. Je me lève, je prends ma douche, je me mets dans mon canapé, j'allume mon ordi et je suis le coup. Je mange, je retourne devant mon ordi et le soir, on regarde un film. Bah ça, ça peut être hyper pesant. On peut tomber dans une boucle un peu de j'aime pas ma vie. But il y a un truc important qu'il faut se dire tous les jours, c'est que chaque journée, même si elle se ressemble, chaque journée est unique. Aucune journée ne ressemblera à celle que vous avez vécue hier et celle que vous allez vivre demain ne ressemblera pas à celle que vous vivez aujourd'hui. Chaque matin n'est jamais le même, chaque douche n'est jamais la même, chaque cours n'est jamais le même, même si c'est la même matière. Essayez vraiment de voir ce qui change et retenez le petit truc qui fait que votre journée va être différente. Essayez éventuellement de changer votre routine, de vous
vous lever à une heure différente, voilà, de faire des choses différentes, de changer vos habitudes, des petits détails, ou même l'espace où vous vivez, ou même changer de tête, coupez-vous les cheveux, bref, vous allez capter le truc. Mais même si vous faites rien, juste essayez de vous dire que c'est pas parce que vous faites la même chose qu'en soi, c'est vraiment la même chose. Vous allez toujours un pas en avant. Par exemple, un cours, vous allez apprendre, même si c'est la même matière, vous allez toujours apprendre un truc de différent. Et essayez d'avoir une vision comme ça, en fait. Appréciez tout ce que vous faites, même les choses simples. Ça, vous le savez, je vous le dis souvent, mais les choses les plus simples sont les meilleures. Le café de ce matin, et ben c'était pas le même qu'hier. Je l'apprécie tout autant. Peut-être moins ou peut-être plus, mais du coup, ça fait qu'il n'était pas pareil qu'hier. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, du coup, là, je vais aller faire mon sport. Et après, je retourne en cours. Voilà, comme tous les jours depuis lundi. Mais ce sera un cours différent. Enfin, je vais pas avoir la même expérience, la même humeur, le même ressenti face à ce cours-là. Donc bref, voilà, je vais aller faire mon sport et je suis très contente. Je réitère, faites du sport. Rien qu'un tout petit peu, juste. Même si vous aimez pas ça, faites 5 minutes, 10 minutes. Ça fait trop du bien. Donc pour ceux ou celles qui se demanderaient, là je viens de faire un hit des twins. Sur Insta, il y en a énormément. Je vous invite à aller voir. Leur hit, ça dure du coup environ 25 minutes. Et après, vous êtes trop bien. Trop bien. Je pense vous retrouver demain parce que le vlog commence à être long. Donc là, tout simplement, cet après-midi, bah, je vais aller en cours. Je termine à 18h30 et après, bah, je vais rien faire de particulier. Donc on se retrouve à demain pour la dernière journée de cette vidéo. Et voilà. Que je devais aller chercher lundi au point relais qui était genre à 30 minutes de chez moi. Bien contente, j'ai plus de batterie, c'est une grosse blague. Je vais la charger. Ok, j'ai remis la batterie, il est 16h30. C'est la première fois de la journée que je vous prends. Mais en fait, aujourd'hui, je suis rincée, crevée. J'ai terminé à 12h30. J'ai fait le ménage de ma cuisine. J'ai fait du montage et j'ai reçu du coup ce colis là. Vraiment, je suis fatiguée, je pourrais m'endormir par terre là sur le sol. Et comme une couillon, je fais pas de sieste alors que je pourrais en soi. Je m'arrête pas alors que je suis épuisée. Bref. Du coup, j'ai aussi un énorme colis. Bien, en fait, d'Octolie. Et je voulais trop vous le montrer parce que après, je voulais trop m'acheter un produit similaire. Et j'ai du coup la chance de pouvoir en prendre un sur la plateforme Octolie. Je suis trop contente, vraiment. C'est lourd. Il s'agit d'un extracteur de jus. Il y a que moi qui peux être contente pour des bails comme ça. Ça se passe comment? Mais en fait j'ai eu pas mal de problèmes de santé, on va dire. Et du coup c'est pour ça aussi que j'arrête de manger du gluten. Et je sais que je m'intéresse un peu à la naturopathie, les bienfaits de la nature sur le corps humain et tout. Venu quelqu'un qui m'a parlé de naturopathie, qui m'a dit écoute, c'est trop bien de se faire des jus, des boissons pas détox, mais juste en gros de prendre le nutriment qui est important dans l'aliment. Par exemple se faire des jus de carottes, des jus de céleri, toutes les bonnes vitamines que tu peux ingérer et que t'as pas forcément envie de manger comme ça. C'est pour faire des jus en fait, genre même des jus de pommes et c'est trop bien. Je remercie la marque Philips et Octolie de m'avoir envoyé ce produit. C'est du Philips, c'est le poteau Philips, c'est le... Philips quoi. Je vais tester ça, voir c'est quoi les plus de ce produit là. Je sais que le tube est assez grand, mais ça a l'air d'être vraiment un bon produit. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais regarder des recettes intéressantes, enfin de jus à faire qui pourraient améliorer, enfin bonne pour la peau, pour le foie, tout ça. Rien que pour l'acné, ça peut être super cool. Et après j'irai aller acheter quelques fruits, légumes et tout pour pouvoir faire des jus. Et en plus de ça, ce soir j'ai prévu de faire une pizza maison. Je vais faire une pâte maison sans gluten. Par contre j'ai rien à mettre dessus, donc je vais aller acheter tout ce qui est tomate ou mozzarella ou quoi. Il y a un livre de recettes. Ah bah nickel. Ah c'est génial. Ça va? Non. Bah là on en est qu'on essaye de... On essaye de remplir des trucs et d'avancer comme on peut. Je pense que vous vous prenez un peu trop la tête, non? Mais en fait c'est pas nous qui nous prenons la tête, c'est le prof qui nous prend la tête. Concurrence directe. Cette personne a des problèmes. Elle sent super bon. Je suis sa drogue. Oui, de ouf. Il est 18h30, on va faire nos petites courses, ça fait trop plaisir, c'est la sortie du jour. J'avoue que par contre c'est vraiment notre routine le vendredi soir, c'est... On se fait toujours un petit truc le vendredi soir. Oui, et même depuis l'année dernière hein, quand t'habitais encore à Dijon. Donc là on va aller s'acheter des petites bières et de quoi du coup faire ma pizza. J'ai hâte de goûter le truc hein. Et des fruits et légumes pour mon extracteur de jus.
Regardez-moi ça. Est-ce que je serais pas un peu fière? Bon, maintenant faut la goûter, mais. On va faire le test. C'est la fin. Donc voilà, je viens clôturer cette vidéo, enfin ce vlog, cette semaine même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez pas beaucoup vu l'anato. L'anato, elle a passé sa vie en cours, en visio. Bah, même bon. Mais en fait, j'étais dans ma chambre. Mmh. En fait, c'est vraiment la routine qu'on a avec Julia. C'est je suis dans ma chambre, elle est dans son espace. Dans sa pièce, dans son salon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mon Insta, tout ça. Bref, vous connaissez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très, très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Ciao. 1, 2, 3, jump.